Qui ça vous fait l'autre de gagner couvent tempête? Est-ce qu'on connaît qui gens pour protéger tête ou avec famille? Chaque année, il y a plusieurs centaines de monde dans le monde qui subit les conséquences d'inondations. Bon, la mer, l'aide de la cause d'inondations dans la zone qui est près de la mer. Normalement, il y a un avertissement. Mais ça qui arrive, inondation dans la zone près de la mer, arrive sous nous, prit sous nous. Et ça qui arrive, nous ne savons pas qui ça pour nous. Ou ka pense inondation dans zone qui près l'an mer rivé seulement les gen cyclone ou bien les gen gros vent ak la pli. Mais faut que nous connais, même si cyclone ou soit tsunami passé bien loin, ça ka gen conséquence sur zone bon l'an mer. Ça ka arrivé que inondation sorti l'an rivière yo, rivière sous zone près l'an mer yo. Tout ça qui dit là yo ka mené inondation qui dangereux bon l'an. Pour plus prudent, li important pour qu'on ait à qui ça pour attendre nous et puis qui signe pour venir. L'ayon cyclone rivé sous bord de mer, ou vent qu'à cause de l'eau rivé sous bord en mer, qui rend niveau de l'eau monté. Ça relé gros vague l'an. Ça qu'à cause plusieurs mètres de l'eau rivé sous bord de mer et même rivé l'an en dedans. Cause inondation l'an plein yo, détruit kay et puis mette la vie moun en danger. Inondation sa yo pi grave l'aide l'eau a monté. Longtemps, inondation si tout l'an zone près l'an mer yo a gros vague l'an mer, c'est pi gros cause l'an mort dans mouvement cyclone. Gros vent la pli ki ka cause l'eau rivière yo monté rapide et pi ki té route yo. Inondation comme ça ka vini sans klaxon et yo kon dangere en pile si tout les gen gros vent ak vague l'an mer ki vini même moment l'eau cap monté. Même côté qui pas en bas cyclone, gen chance pour joindre gros vent ak vague lan mer ak inondation. Gros vague lan mer qu'arrivé bien loin par rapport sans cyclone. Et ça qu'arrivé sous bord mer qui pile loin en pile. Surtout dans les plates dans Caraïbes. Gros lame d'eau qui gen en pile force ka formé sous bord mer yo ou bien sous récif yo, voyé de l'eau sous terre yo, rivé sous en pile moun sans attendre. Inondation sous bord mer yo mette la vie ak bien moun en danger. Dommage pou kay, route, waf ak lot sa nou posede ka bay ekonomi lokal la ou nan secteur tourisme lan tout. Et donc ki jan nou ka protéger tèt nou? Si ou habite lan zone ki kasibi inondation sous bord mer, si veye pou gros la pli, van kap vini pi fò ou bien gros vague l'eau sous la mer. Cherchez qu'on ait route passage qui sans danger et puis qui bon abri provisoire. Dans des nouvelles locales pour qu'on ait information urgence ak dernier conseil. Si autorité yo di ou quitter zone, fais ça rapide. Prends mon bou. Si on dans kay, l'eau est envahi li, monte côté qui pi ou dans kay la. Pas entrer côté ou ka bloquer l'aide l'eau envahi. Pas traverser barricade ni jambi pont. La valase l'eau crase pont sans attendre. Crase route et puis brote machine. Pas marcher, pas nager, pas conduire côté de l'eau ap descend. Fait bac, pas nager, pas nager dans moment inondation sous bord mer. Les nous chercher qu'on est, nous ka protéger tête nous ak famille nous. L'eau inondation touye moun. Pour plus d'informations, visitez www.wmo.int. Partagez vidéo ça pour qu'aider l'autre monde protéger tête.